Eh bien, salut tout le monde, c'est SanGamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PES 2016. Donc, la dernière fois, on a perdu en Coupe de France, ouais, c'est ça, c'est Coupe de France face à Paris Saint-Germain. Donc, aujourd'hui, on va continuer la Ligue 2. Donc, on va faire plusieurs matchs hein, durant cet épisode. Donc j'espère que vous ça va super parce que moi ça va nickel. Donc là on va affronter donc le FC Metz. Alors donc oui hein, pour ceux qui ont regardé l'épisode de alors attendez que je dise pas de bêtises de jeudi dernier, on a perdu face à la célèbre équipe du Paris Saint-Germain. Malheureusement, c'est pas grave hein. Juste perdu en Coupe de France. Donc là, on va affronter le FC Metz, messieurs, dames. On va essayer de gagner. Et boum, 1-0. Donc il faut. Le but, c'est vraiment. Bon, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que je joue en débutant. Hein. Donc après, le but, c'est vraiment de se détendre pendant cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu plus que ça. Hein. Bon après, voilà, on a perdu en Coupe de France, on a perdu en Coupe de France. Hein. Je vais pas non plus. Alors oui, pour ceux qui l'auraient oublié, je suis également assez bourrin dans le jeu. Hein. Wow, ah oui, carrément. Donc après, hein, je joue avec les chamois niortais. On est en Ligue 2, messieurs dames. Je suis pas hors-jeu là? Ah, j'aurais bien cru que j'étais hors-jeu, messieurs dames. Allez, 2-0. Par contre, la défense du FC Metz, pas terrible. Hein. Parce qu'il aurait pu la sortir largement facilement, hein, cette balle. Donc, pour le moment, j'ai toujours pas pris de décision en ce qui concerne Homzy par rapport à la chaîne. Hein. Parce que malheureusement, j'ai eu beau discuter avec une personne par rapport à ça. Le problème avec Comzy, c'est que ça buggera tout le temps. Donc, que vous ayez un PC gamer ou non. Après, sur certains PC, en fonction des composants, bah, ça buggera moins. Mais bon, après. Ah, imaginez. Imaginez le petit. Donc pour le moment je laisse Mzi sur la chaîne, mais si je vois que ça lag trop, ben on arrêtera, hein, mais c'est là, mais j'ai envie de vous dire, je me suis trompé de bouton. J'ai voulu faire carré et j'ai appuyé sur le rond. D'accord, et lui il refuse. Hop. Hop, allez pour la balle de 3-0, messieurs dames. Et. Non, bien sûr. Il l'a touché ou il l'a pas touché? Parce que pour moi, dans mon écran, non. Ah bah si, il l'a bien touché. Donc, je rappelle que les lives, parce qu'on m'a posé la question, ont lieu le dimanche. Entre 14h et 19h. Alors, ils ont lieu entre 14h et 19h. Je vais y arriver. J'ai fait. Il n'y a pas faute, hein. Il est tombé tout seul. Oui, donc je disais, il a lieu entre 14h et 19h. Attention, c'est pas tous les dimanches qu'il y a un live. Hein. C'est des fois j'ai des choses à faire le dimanche. Donc du coup, je suis obligé de reporter les lives. C'est pour ça qu'ils sont donnés à titre indicatif. Ah, j'étais trop loin. Dommage. Donc là, on va aller en mi-temps. Avec un 2-0, pardon. Donc c'est pas mal du tout, messieurs, dames. Donc après, oui, je sais que normalement, j'étais censé partir sur du PES 2018. Malheureusement, ça sera pas pour tout de suite le PES 2018. Hein, parce que, comme vous le savez, bah, je passe mon permis et du coup, il me faut des finances hein, pour passer le permis parce qu'il n'est pas gratuit, bien sûr. Alors là, par exemple, j'ai appuyé sur le bouton pour centrer et lui il a tiré. Après, hein, j'ai certains joueurs qui sont des thug life. Hein.
Et là, il me fait tomber, il n'y a pas faute. Ouh, pas mal ça. Non, il l'a loupé, dommage. Voilà. Et en plus, il me gêne, hein. Il tombe, il me gêne, l'autre. Bon, faut que je fasse gaffe parce que je me prends souvent des pénalties dans le coin. Enfin, dans la surface de réparation, hein, je veux dire. Oh là 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 là, mais quel boulet. Allez, dégage, il y a faute, bien sûr. Je vais prendre un carton. Donc là, dans la série, j'ai pris qu'un seul carton rouge. Malheureusement, vous aurez pas pu le, enfin, vous n'avez pas pu le voir. Parce que au moment où je me suis pris le carton, voilà, de 1, en fait, ça recordait pas avec OBS. Et du coup, bah, vu que j'ai pas de deuxième écran, j'ai pas pu faire gaffe. Donc là, l'objectif va être vraiment de passer sur un 3-1, messieurs dames. Hein? Ah ouais. J'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire, mais bon. C'est pas grave. Je suis vraiment pas en prise de tête. En mode prise de tête, pardon. Comme j'ai envie de vous dire, je gagne, je gagne, je gagne pas, je gagne pas. Hein. Oula. L'autre qui loupe sa tête, pas mal. J'aime bien les joueurs des Chamois Niortais, hein, parce que des fois ils font n'importe quoi. Ah bah alors là franchement, non seulement mon joueur était vraiment optimiste, mais le gardien est une baltringue parce qu'il aurait largement pu l'arrêter, messieurs dames. Après on est dans PES, hein, donc faut pas s'attendre à avoir... faut vraiment pas s'attendre à avoir de la qualité. Enfin, c'est pas FIFA quoi. Alors, il aurait été pas mal. Il aurait été vraiment pas mal de faire la passe à la personne qui était devant et non pas en haut. Wow. Il se passe vraiment des choses arbitres. Dégage, s'il te plaît, merci. Il y a faute ? Bon, genre, j'ai joué le ballon. Voilà, je vais vous montrer comment je me prends souvent des buts comme ça. Regardez. Et je boum ! Voilà, 2-2. Systématiquement, quand il y a un coup franc ici, je me prends un but. C'est impressionnant. Mais que ça soit le premier ou le dernier du classement. Hein. Je sais pas pourquoi je me prends systématiquement un but ici. Deux buts déjà dans ce match. Oh, genre. Mais il fait quoi lui? Ah, je me suis encore trompé de bouton. Oula. Il a fait un roulé-boulé le monsieur. Bon ben. Du coup on va partir en égalisation, hein, messieurs dames. Alors bien évidemment on va éviter de. Waouh. Ah ouais, comme il me respecte pas lui. Oh, je... Oh là 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 là. Carton jaune, bien sûr. Je sais pas pourquoi ça me le fait, ça. Des fois, ils me mettent absolument pas de carton. Et des fois, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 cartons. Mais c'est souvent quand je recorde hein, que je me prends des buts... Bon, c'est pas grave. Donc, de toute façon, on a 22 points malgré le match nul. Hein. Donc là, on va affronter l'AJ Auxerre. Alors là, il va falloir que je fasse attention à la couleur du maillot. Parce que des fois, PES met du bleu avec du bleu. Résultat, bah, je me trompe souvent au niveau des maillots. Regardez. Ah, non, là, ils ont été gentils. Ils n'ont pas mis les deux mêmes couleurs. Parce que des fois, ça peut être du blanc avec du bleu, du jaune avec du bleu. Alors, des fois, c'est vraiment pas pratique. Donc
là, on va jouer contre la Gioxerre. Club assez cher à Monsieur Giroud, bien sûr. C'est comme là, dans... sur une vidéo de YouTube, j'ai appris qu'il y a un coche hors-jeu. Ouais, d'accord. J'ai appris qu'une personne touchait 300 000 euros par mois pour jouer au foot, hein, normal. Sauf que cette personne-là n'a pas encore mis un pied sur le terrain. Enfin, tu sais, elle a mis un pied sur le terrain, mais elle est toujours relégable, en fait. Il y a pénalty. J'hallucine. Il s'est jeté, il y a pénalty. Et en plus, je suis exclu, messieurs, dames. Deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge de la série, messieurs, dames. Et je suis exclu. Mais pourquoi je me suis jeté? Mais pourquoi? Mais quel abruti. Voilà comment on se prend un but n'importe comment. Oh, j'aurais pas dû bouger. Bon, bah, j'ai un joueur exclu. Hein. Et on s'est pris un but à la 9e minute. Magnifique. Donc là, bien évidemment, il va falloir remonter. Hein. Et voilà, 1-1. Donc là, déjà, égalisation. Oui, donc je disais, avant que je me prenne un penalty, qu'il y a quelqu'un qui touche 300 000 euros depuis le début de la saison, donc par mois. Hein, ce mec-là, on est déjà quand même dans le deuxième partie du championnat. Hein. Il touche 300 000 euros alors qu'il a joué à peine 10 minutes, en fait. Parce qu'il a joué, mais en fait, il s'est pris un 2-1. Il s'est pris... Je suis hors jeu, putain. En fait, il s'est pris un tacle méchant par un gars, là, en Angleterre. Et cette personne-là, donc, est sortie sur blessure. Mais elle touchait quand même... Wow ! Il y a faute, là. Elle touchait quand même 300 000 euros. Hein. Du coup... Du coup... Ça fait quand même un peu bondir certaines personnes. Parce que la personne, en 10 mois, elle a touché 3 millions, hein. Enfin, moins des taxes anglaises, mais après, je connais pas trop les taxes anglaises. Donc, du coup, ça lui fait une belle rente. Dommage, c'était pas mal, ça. Ça aurait pu faire un joli but, messieurs, dames. Donc après dans les PES, je suis assez bon au niveau des pénalties pour les arrêter. Alors après pour les tirer, que ça soit sur FIFA ou PES, j'y arrive pas. Bon. Je suis vraiment pas bon à ça. Allez, de la tête. Ah, imaginez. J'hallucine. Non, mais non. Oh là 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 là, mais pourquoi il va tacler l'autre? Là, si le ballon il sort, je vais me prendre un carton, c'est obligé. Il est hors jeu. Là, je vais me prendre un carton, c'est obligé. Si il a été taclé l'autre là-bas, n'importe quoi. Lui. Non, j'ai pas pris de carton. Il est généreux l'arbitre. Enfin, en même temps, faut dire qu'il m'a mis un rouge juste avant. Hein, donc. Depuis quand, en appuyant sur le A, ça éjecte le joueur comme ça? C'est pas possible ça. Il veut quoi, lui? Ouais, dommage, cette interception. Y a pas faute, hein. Donc, si vous entendez un bruit sourd derrière, hein, c'est rien, c'est le Shadow. Hein. Si vous avez promis qu'il était silencieux, mais bon. Personnellement, j'y crois pas vraiment. Oula, ah oui. On va essayer de mettre la balle de 2-1. Hein? Il fait quoi, lui? Ah, 4 sur le gars, quoi. Normal. Faut savoir que la personne qui a fait la passe juste avant, je lui avais pas demandé de faire la passe. Hein. Il y avait peut-être moyen qu'on marque un 2-1. Mais bon, c'est pas grave. Oh là 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 là, mais ils font quoi là?
Alors oui, après on m'a envoyé un message pour me dire qu'il fallait que je songe à changer mes joueurs de temps en temps parce qu'ils étaient fatigués. Peut-être, j'ai envie de vous dire, oui, ils sont fatigués parce que j'ai mis la fatigue, bien sûr. Oula, 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 oula. Eh, c'est pas moi, hein. Ah, je crois qu'il y avait faute. Ah, mais il manque des joueurs, là. Il me manquait des joueurs. J'ai l'impression d'avoir trois exclus alors que j'en ai qu'un. C'est abusé. Il est pas hors jeu. Mais non. Et boum. 2-1. Mais c'est dame 2-1. Bon, c'est ce que j'appelle un but à la PES. Hein. Allez, objectif, essayer de remporter ce match. On va passer la balle au gardien. Et il me sort qu'il est hors-jeu là encore. Ah ouais, les hors-jeu dans PES, ils se jouent vraiment à rien. Alors des fois, il les siffle après que j'ai marqué le but. C'est très agréable. Non, non, non. On va dégager la balle comme ça parce que je sens que je vais me prendre un deuxième rouge. Et un pénalty venu de nulle part. C'est quand tu veux pour aller récupérer le ballon. Wow, comment il m'a trollé. Et balle pour eux. Donc ouais, hein, je laisse pas les personnes qui sortent. Hein. Honnêtement, on s'en fout un peu. Ah oui, je fais pas de coupure. Hein. C'est du 100% avec moi. Hein. Et boum, 3-1. Là déjà, on s'est mis à l'abri. On s'est mis à l'abri. Pardon, je joue un peu avec le casque. Oui, donc je disais, on se met à l'abri là tranquillement, messieurs dames. Il reste 11 minutes de jeu. Wow, non, 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 il rigole ou quoi? Il a fait son Ronaldo, lui, oh. Et là, il va y avoir faute, là. Bon, là, on n'est pas situé trop devant le but. Donc, je pense que ça devrait aller. Oh, non, 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 il est devant. Je vais m'en prendre un, je vais rien comprendre. Non, là, ça va. On va attendre un peu. On va la jouer vraiment salope. Surtout que là, c'est pas moi qui viens de tirer, mais bon, c'est pas grave. Non! Elle était pas mal la combinaison là quand même. Hein. Elle était franchement pas mal. Là. Allez. Ouf, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. La frappe. Non, le poteau. Mais il fait quoi lui? Pourquoi il lui redonne la balle? Ah, dommage. Dommage, 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 il a failli y avoir 4-1. Que j'ai pas osé tirer avec l'autre gars parce que j'étais vraiment... Enfin, pour moi, je pensais que j'avais pas marqué. Bon, là, le poteau, c'est dommage, franchement. Mais bon, on va faire avec. Alors, par contre, oui, je ne ferai pas le mode d'histoire avec Alex Hunter. Alors, je sais, c'est sur FIFA, mais j'ai FIFA 17 hein, aussi sur PC. Mais non, je ne le ferai pas parce que j'aime pas du tout. Donc, voilà. Donc là, on va jouer pour le dernier match de cet épisode face à Brest. Messieurs, dames, face à Brest. Allez, le stade brestois 29. Ceux qui ne savent pas, hein, Brest, c'est dans le Finistère, hein, donc 29. Et non pas dans le 24, comme j'ai entendu l'autre jour à la télé. Parce que le 24, c'est là.
Dordogne. Oula, oula, oula. Et normal qu'il me cible pas le joueur là. Faut vraiment que je songe à arrêter de tacler comme ça moi parce que. Je prends des cartons. Des fois pour rien. Il y avait quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde. Hein. Alors normalement c'était censé cibler la personne qui était en bas. Mais c'est tous les problèmes avec PES, c'est qu'en fait on c'est pas comme c'est pas comme sur FIFA, des fois ils font n'importe quoi les joueurs. Que vous soyez en mode débutant ou pas hein, d'ailleurs. C'est intercepté enfin un peu d'air pour la défense. Les Chamois Niortais qui a trouvé l'efficacité. Allez. Ça fait 5 matchs d'affilée maintenant qu'il marque. Bien joué. Donc oui, normalement, vous étiez censé avoir une vidéo sur sur le Shadow. D'accord, très bien. Il n'y a pas pénalty. Hein. Là, j'ai joué le ballon. J'ai dit j'ai joué le ballon. J'ai joué le ballon, merci. On va s'arrêter. Non, j'étais hors jeu là. Hein. Oh là 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 là, mais ils sont motivés les Brestois aujourd'hui. Imaginez là. Il m'avait gêné le petit monsieur, mais bon. Voilà, par contre l'autre, je crois que j'ai mis une gifle. Bah ouais, bien sûr. Hein? Bon, c'est pas grave, hein. Il se passe des choses bizarres dans le jeu des fois, mais bon. Voilà. Donc oui, donc la vidéo sur le Shadow, pardon, je devais vous la faire pour mercredi. Bon, le problème, c'est qu'on est mercredi et que j'ai plein de choses à faire cet après-midi. Et que donc, du coup, en conséquence, je n'ai pas le temps. Ils sont motivés, les Brestois. Tu peux me redonner la balle, merci. Oh, charge. Hein? Oh là 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 là. Voilà pourquoi j'aime pas les selles devant le but, parce qu'à chaque fois ça fait ça. J'arrive devant le but, t'as l'impression que le mec il a envie de tirer sur Mars ou sur la Lune, je sais pas, mais pas dans le but quoi. Donc là il n'y a pas de temps additionnel pour la mi-temps, messieurs dames. Donc là si je marque, on a un avantage, si je marque pas. Oh là 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 là. Allez, mi-temps là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça hein, quand je recorde, mais j'ai vraiment des fois beaucoup de mal hein, avec ça. Et bon, hein, c'est pas grave. Et là, vous me taclez là, j'ai pas rêvé quand même. Allez, on va essayer de partir sur les chapeaux de roue en deuxième partie. Et oui. 1-0, messieurs, dames. On va se réveiller là aujourd'hui. Le bruit que vous entendez derrière, hein, c'est de l'eau. Hein. C'est rien. C'est plus le Shadow maintenant, c'est l'eau qui fait du bruit. Parce que oui, chez moi ça pleut. Et ça pleut sévère là aujourd'hui. Non, 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 non. Il aurait tiré, il aurait marqué, c'était garanti. Je sais pas pourquoi il est pas allé jusqu'au fond. Ah, par contre, il y a 2-3 coups de lag. Comme vous aurez pu le constater. Hein? Mais il est tombé comment, lui? Bon, d'accord. Bon, bah, ça va être là, la balle d'égalisation. Parce que là, d'ici, normalement, il marque. Hein. Merde. Il m'a trollé, le bagnard. Voilà. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, à chaque fois qu'il y a coup franc ici, je me prends un but. C'est garanti. Donc là, il y a 1-1. Objectif, marquer le deuxième but. D'accord, ouais, bah alors pas comme ça.
Alors oui, hein, je sais qu'il existe pas mal de techniques hein, pour gagner, etc. Mais bon, après, si vraiment j'ai envie de gagner, je coupe et je recommence. Hein. Ça, c'est pareil, il y a certains youtubeurs qui font ça, franchement, c'est du n'importe quoi. Je suis hors jeu. Ah non. D'accord. D'accord. Très bien, hein, monsieur Rocheteau, mais bon. J'ai pas trop compris ce qu'il vient de faire, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Allez. Allez. Non, imaginez. Deux fois hein, que ça me gêne devant le but. Mais je comprends pas pourquoi ils tombent comme ça des fois, hein, des joueurs. Ah, charge. Mais non! J'avais appuyé sur triangle au lieu de carré. Du coup, j'ai cru que ça allait faire n'importe quoi. Mais bon, c'est quand même passé. Bon, là-bas, j'étais hors jeu, hein, je vous le dis. Mais bon, on s'en fout. Du moment qu'ils nous ont validé le but. Ah, c'est impressionnant la pluie. Elle tape sur les trucs en ciment qu'il y a chez moi. Allez, la frappe. Oh, magnifique! Magnifique, messieurs, dames. Magnifique balle de 3-1. De monsieur Koné. Ah ouais, ils sont tous en cœur derrière, hein. Regardez-les. Ils font tous la même chorégraphie, sauf certains. Il y en a qui lèvent la main en l'air, il y en a qui... Alors, par contre, Delecroix... Ah si, il est chez moi, lui. Ah oui, c'est marqué région Poitou-Charentes derrière. On va juste admirer ce but magnifique, quand même. Qui n'était pas gagné d'avance, surtout qu'à la base. Ah non, je n'étais pas signalé hors-jeu. Elle partait au-dessus, la balle, là. Et elle a fait transversale rentrante. Donc j'ai envie de vous dire, hein, tant mieux. Parce que du coup, on a 3, messieurs dames. On va essayer d'aller en mettre un quatrième. Allez. Oula. Alors oui, des fois vous allez voir des joueurs d'autres équipes marquer des CSC bizarres. Mais bon. Hein. Et non! Mais pourquoi il l'a désactionné là? Des fois il y a des choses que je comprends pas. Je crois que j'ai quand même des sacrés problèmes avec les manettes. Hein. Enfin avec la manette surtout. Allez, de la tête. Voilà, le 4-1, messieurs, dames. Magnifique 4-1. Et je crois que c'est un triplé. Ah non, doublé de monsieur Koné. Magnifique. Donc, ça conforte notre place de leader de ce championnat. Alors, contrairement à ce que pensent les gens... Il fait quoi, lui? Il fait des dribbles alors qu'il n'y a personne devant lui, quoi. Contrairement à ce que pensent les gens, je tourne pas les vidéos les unes après les autres par rapport aux séries. Par exemple, là, j'ai fait la vidéo de jeudi 15. Je vais pas tourner tout de suite après la vidéo de jeudi 22. Non, non. C'est vrai que si je fais comme ça, après, je suis tranquille. Mais non, non, non. Surtout que ça prend du temps de tourner les vidéos. Ensuite, faut que je mette l'intro devant. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est non, hein. Moi je fais pas ce genre de choses. Donc nous les amis, on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc vous connaissez la petite musique, hein. Si jamais vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais également à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de être prévenu de la dernière sortie de mes vidéos ainsi que de mes lives. Je rappelle, les lives, c'est uniquement le dimanche. Alors, il est possible qu'il y en ait aussi le jeudi, le mercredi après-midi. Mais c'est rare, c'est même très 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 rare. Déjà que le dimanche, ça dépend des heures et ça dépend surtout des dimanches, parce qu'il y a des dimanches où j'ai des choses à faire.
Donc c'était pour vous prévenir. Donc moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, faites pas les fous et puis ciao tout le monde.